juste se parler. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'on se parle. Bon, on se parle, très bien. Vous aviez filmé en 95 ballet? Oui. Non, actuellement, c'était filmé en 92. C'était projeté en 95. Et aujourd'hui, vous revenez sur une imposante institution culturelle qui est l'Opéra de Paris. Oui, je crois que la caméra doit être au service du ballet, dans le sens que le travail, mon travail dans cet endroit, c'est de faire une représentation juste de leur travail. Ce n'était pas de changer la chorégraphie dans le sens que qu'il y a beaucoup de gros plans comme ça, les coups, les jambes, les pieds. Moi j'essaie toujours qu'on voit tout le corps des danseuses et la relation entre eux, et comme ça on peut bien regarder la chorégraphie. Est-ce qu'il y avait une raison commune avec Robert Kramer de venir à Paris ou... Non, je crois que notre politique était un peu différente. Il était beaucoup plus idéologique dans ses films que moi. Je n'aime pas simplifier les événements que je trouve dans le service d'une politique. Quand je suis intéressé dans la question politique, je participe comme citoyen, pas comme cinéaste. Je n'aime pas les films politiques de n'importe quelle personne. Parce que je crois qu'ils ne changent rien. Au tout début, avec Titicut Follies, vous aviez ce même point de vue ou... Oui, j'étais plus naïf quand j'ai fait Titicut Follies, parce que j'ai pensé, si j'ai fait un film qui, dans le sens des conditions, à cet asile, prison, que les gens soient très agités et le public va essayer de changer, mais la seule chose, quelle est l'expression, je ne sais pas si c'est la même en français, l'attaque était contre le messager, parce que moi j'étais attaqué parce que j'ai fait le film, et l'endroit a changé, peut-être 10 ans après, mais on ne peut pas dire que l'endroit a changé à cause du film. Parce qu'il y a, une question très... Il y a des aspects de cette... Pas de votre question, mais l'idée que... Moi, je ne crois pas qu'aucun film est si important qu'il peut changer des choses. Parce que les gens ne sont pas si stupides. Si moi, je peux tourner un film et il y a 100 personnes dans la rue qui crient pour l'échange, quelqu'un de meilleur cinéaste, peut-être... Il peut 1000 personnes peuvent être dans la rue. Et un très grand cinéaste, 10 000 personnes dans la rue. Et la rue sera très encombrée avec les gens marchant dans des sens différents. Mais dans les pays démocratiques, il y a toutes sortes de renseignements. Il y a des journaux, la télévision, le network câblé, bla bla bla. Il n'y a aucune chose qui était si importante et les gens ne sont pas si stupides qu'ils suivent même un grand cinéaste comme Michael Moore.